prier un moment ensemble, bien-aimés. Dire ensemble toute la gloire pour toi. La gloire Dieu tout-puissant. Tout louange. Tout l'honneur. Tout l'adoration. Tout tout seul. Toute l'éternité. Seigneur Jésus-Christ. Pour reconnaître que tu sais comme le vrai Dieu sur toute la terre, pour croire dans ton grand amour, pour croire dans ta puissance qui fait la limite pour accomplir en moi toute ta volonté. Que ça même soumette-moi entièrement. De tout mon équerre, à toi Seigneur, qui me trouve de la grâce, accomplir toute volonté dans mon la vie. Régnez Seigneur, dans toute ta grandeur, régnez dans tout mon la vie, de la gloire. Façonne-moi, transforme-moi de gloire en gloire, à ton image, à ta ressemblance. Tout l'honneur, tout l'adoration, de tout seul, au Sauveur, au Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Vous pouvez lire la Bible, de vous lire dans l'évangile de Marc. Chapitre 16. Vous pouvez lire verset 16, mais vous allez verset 15 qui lire avec lui. Marc chapitre 16, verset 15. Puis il leur dit, c'est Jésus, hein, allez pour tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Et qui dit, hein, il dit, prêche la bonne nouvelle. C'est-à-dire, l'évangile, tout ce que Jésus dit, c'est une bonne nouvelle. Pénard, en fait, pénard, aucune meilleure nouvelle. Et il dit, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Ça, c'est définitif. Celui qui croira sera baptisé, sera sauvé. Celui qui ne croira pas sera condamné. Bien-aimé, il y a trois du monde qui intéressent pour baptiser. Pourquoi il n'y en a pas cinq? Et on dit mettre sa message là dans mon équerre concernant sa question croire, baptiser, sauver et pour moi, pour garder les autres, garde nous l'équerre bien ouvert, garde nous attentif pour comprendre ce que Jésus-Christ peut dire et ce qui nous suppose qu'il vient trouver nous la terre. C'est un des bons versets, sa verset, celui qui croira sera baptisé, sera sauvé. C'est un des bons versets qui, pourquoi pas dire, qui permettre n'importe qui du monde qui l'a la terre, un jour, il garde pour lui dans le ciel. Oui. Sa verset. Sa verset là, et nous mettons sa verset là, nous trouvons là des conditions. Quoi, plus baptisé. Mais si nous faisons une mathématique, nous disons quoi numéro 1, plus baptisé numéro 2, n plus d égale 3, tu es sauvé. C'est si, mathématique là, bon, n plus d égale 3, c'est sûr, il n'y a pas ni moins, ni plus. Si un démon, réellement, il croit en Jésus-Christ, et s'il est baptisé selon ce que Jésus-Christ peut dire baptisé, il peut être sauvé selon ce que Jésus peut dire sauvé. Qui a oublié de tout ça là, bien aimé, c'est parce que mon gars rappelle l'époque qui moi, on a l'église et même les temps qui viennent continuer. Qui quantité, mon papa, dire un mot anglais de misunderstanding, on dire. Qui quantité, mais du moins, fin mal interprète, mal comprend. Vous avez un verset là tout entier. Et jusqu'à dans le monde entier, encore il a ce problème là. Ce problème qui, du moins, ne pas bien comprendre qui, pourquoi, qui était baptisé réellement et qui était jusqu'à même sauvé. Du moins, ne pas bien comprendre jusqu'à aujourd'hui.
Regardez, il y a une grande majorité de monde qui appelle chrétien, qui a l'église, qui enseigne dans la parole de Dieu même. Tu vois, là, pas qu'on exactement qui ça veut dire être sauvé, qui ça veut dire boire, qui ça veut dire baptisé, et finalement, on va dire, ça résultat qui tu viens gagner. Quand un petit monde dit l'une boire, l'une baptisé, et le résultat qui est derrière là, le résultat là, mais ça, il vient être sauvé. Ça résultat là, là, l'eau, la terre, nous ne trouvons pas ça résultat. Non, nous ne trouvons pas ça résultat là. Tout le monde dans le monde entier de ce problème là, bien aimé. Et pour moi, ça mot qui appelle être sauvé là, je dis tout ça ici parce qu'il appelle plusieurs fois nous cause l'eau là. Ça mot être sauvé là, il ne veut pas dire tout simplement un jour de moi dans le ciel. Pas ça qui s'est ici aujourd'hui. Parce que si être sauvé veut dire un jour pendant le ciel, veut dire il s'astera pendant qu'il nous pas dans le ciel, mais qu'il nous conditionne. Nous croyons, nous baptiser. Comment nous la vie pour être à nous? Bon, vous pouvez dire bien aimé qui être sauvé, c'est un affaire qui déroule à stérilement pendant qu'il nous la terre. Et tout le monde qui vient d'être sauvé, justement, c'est le monde qui parle dans le ciel. On sait ça ici dans Cascavel. Généralement, Bandimoun prend sa verset là comme te dire que quoi dans Jésus, vous dire oui, mon quoi dans Jésus, alors baptisme. Dès que moi, l'on voit dans Dilo, c'est un gamin baptisé là, je sortis dans Dilo, alors je finis être sauvé, je finis dans le ciel. Et là, je vais regarder, nous trouvons beaucoup de gens qui justement. On va nous donner un petit bout pour là, nous sortir de notre travail, nous pouvons saisir, tout le monde est comme ça. Moi aussi, je suis chrétien, je suis chrétien, oui. Je suis baptisé, tout le monde. Et tout le monde là, liberté, moi, dans le ciel, tout le monde. Si vous êtes obligé sur la vie, vous êtes bien. Sur la vie dépasse mon bien. Sur la vie charnelle, sur la vie brite, sur la vie. Sur... Mais ce témoignage mauvais, c'est moi, limite dans les affaires. Il t'a rassemblé. Ben, il t'a dit, tu bois, tu baptisé, tu bois être sauvé. Il t'a dit, oui, mon quoi, ben, il baptise lui, et il t'a dit, sauvé. Il t'a dit, il est est-ce que je pourrais moi? Quoi, mon copain, tes hommes bien-aimés, il n'est pas comme ça. Et vous avez un verset qui, dans la Bible, pour qu'il nous confirme qu'il est vraiment pas comme ça. Nous verrons dans Luc. Quand Jésus-Christ dit, voilà, là, Luc chapitre 3, verset 8, non, 7. Quand Jésus-Christ dit, il disait donc à ceux qui venaient en foule pour être baptisés par lui, race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir? Bah, vous pouvez me baptiser là. Jean-Baptiste dit ça. Produisez donc des fruits dignes de la repentance. Et ne vous mettez pas à dire en vous-même, nous avons Abraham pour père, quand je vous déclare que de ses pierres, Dieu peut susciter des enfants à Abraham. Déjà même, la cognée, l'os, est mise dans la racine des arbres, tout homme donc qui ne porte pas de bon fruit sera coupé et jeté au feu. Tu veux venir baptiser? Oui. C'est ma parole de pensée. À cause de venir baptiser, c'est-à-dire que tu finis mon enfant d'Abraham, tu finis être sauvé. Didier, il finit, mais l'os dans le pied, la cognée, est déjà mise à la racine des arbres. Il dit, tous hommes qui vont pour le bon fruit, pour couper, pour jeter au feu. Que vous voyez de ça? Parce qu'il y a trop beaucoup de gens dans la terre. Ça, dans ce lequel, je suis baptisé, moi, mon nom est écrit dans le livre de vie, moi, et je ne suis pas dans les chiens. Et je vous dis, quand un gens, il y a un chrétien, après il a abandonné, il n'est plus de l'église, 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 il n'est plus de l'église.
Badia, guette le pasteur, vous faites selon terre. Pasteur fait selon terre, si ce nom de la quête là, nous connaissons, tu baptises, etc., etc. C'est-à-dire, ça qui est là, libère dans le ciel, libère d'être sauvé. Parce que la Bible, celui qui croira, sera baptisé, sera sauvé. Mais qu'est-ce que sa parole là qui dit? Sa parole là, c'est comme ça, qui, pour puisser produire un fruit digne de la repentance. Et tous hommes qui ne peuvent pas le bon fruit, pour couper, pousser dans 10 fruits. Vous me dites, c'est ça bien aimé parce qu'il y a tellement beaucoup de monde qui l'ont la terre, qui appellent chrétien, et qui ne prend pas baptême, comment dire, de façon, baptise-moi, t'as fait mon mot, moi je l'en fais. Comme vous. Comme beaucoup de monde existe, on est dans ce sens-là. Baptise-moi. Parce que la parole de Dieu, c'est lui qui croira, sera baptisé, sera sauvé. Baptise-moi pour qui? Je trouve moi être sauvé, et je trouve moi dans le ciel. Dis-moi là, tu crois, baptême là, pour faire lui tout simplement dans le ciel, parce qu'un jour, il est baptisé. Mais ce matin, bien aimé, nous pouvons éclaircir tout ça va nous faire là. Parce que baptême, c'est un affaire qui bon Dieu l'institué, et c'est un affaire qui vraiment est un grand valet. Pour que tout le monde soit capable d'être sauvé et nous ait connu de sa bonne manière. Amen. Pas connu de fausse manière qui le diable vient dire il détourne. Vous voyez, le baptême est tellement finalement détourné qui. Et il y a un petit monde qui. Le baptême, c'est tout simplement tu peux pas l'aider, mais amène-le pour les trois gouttes de l'eau, c'est que j'ai été baptisé, c'est ma vérité. Oh oui, il est venu chrétien. Il est venu chrétien. Et maintenant, quand ça qui est là, de ça qui est là, les baptisés, les chrétiens, c'est-à-dire les féminins. Il y a un mot saoulant, il y a un mot drogué, il y a un mot adultère, c'est qu'il y a un mot là, ça a des trois bouts de l'eau là, pour dire, il finit, ça sur la vie. Et bon, on peut dire, ça a des trois bouts de l'eau là, pour ça sur la vie. Et même pas si on plonge, même dans la mer, même dans la rivière, c'est pas qu'il était, qui vous sape sur la vie. C'est vous voyez ça qui est là, il baptisé vraiment avec son équerre. Vous voyez son équerre, il participait dans ce qu'appelle une baptise. Parce que si son équerre va participer, comme un cousin, selon la parole de Dieu, selon la loi divine, alors ça qui est là, il ne parle pas baptisé. Regardez, vous ne parlez pas baptisé, vous ne parlez pas baptisé. Allez, moi je dis directement, si un timon, fin pour, fin baptisé, en vrai dire, son résultat, c'est lui qui est sauvé. Il vient sauvé. Il vous vise être sauvé. On va expliquer nous bien. Il vous vise être sauvé, mais dire, il vous vise trouver l'île là, converti. Mais on a fait ça. Vous voyez, à nous prendre, nous prenons des avec qui nous connaît. Tout le monde connaît les théories. Quand on a ce théorique, qui voulait le couvrir? Et blanc, blanc, noir, noir, gris, gris, je vois des noms. Mais si nous prenons envie là, nous mettons des récits, nous mettons l'autre fait. Rouge. Tu dis mon accord, moi? Il rouge. Il vient de rouge. Si vous voyez, vous voyez ça. Si il m'a mis rouge. Pas envie de ça. Pas de mots, il m'a mis. Bah, je me dis, non, tu fais pas mes rouges. Non, pas mes dents, tu fais pas mes rouges. Si mes dents, tu fais bien mes rouges. Si mes dents, tu fais, les bizarres mes rouges. Il va pas avoir mes rouges, les bizarres mes rouges. Il est obligé mes rouges. Quand, donc, il m'a dit, puis il se fait comme ça. Puis gâte au bas, puis gâte, puis gâte là. Bah, là, on prend les têtes pour couper. Après, là, parce qu'il est dans la pâte. Après, là, là, par les blancs. Parce qu'il est dans la pâte là. Je te dis, non, tu fais. Et t'as fini. Pas blanc, lui. Il y a une zone marron, c'est marqué. Mais si vous dites, gardez-vous des tiers, ça c'est marqué, c'est blanc. Gardez-vous des tiers. Si vous dites, pas dans le fait. Si pas de maîtrise dans le fait, il n'y a pas de maîtrise. Et moi, j'ai une zone bien aimée qui est un petit monde qui vraiment m'a baptisé. Vraiment m'a baptisé. Un petit monde qui baptisé, l'y transformé. On veut dire, il y a un mot qui s'appelle converti. L'y converti.
Apôtre Paul dit plus bien encore. Lui. Paul dit si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Amen. Amen. Un petit monde qui est en Christ, il n'est pas capable qu'il y ait une nouvelle créature. Il n'est pas capable de dire moi en Christ, moi je m'allais ancienne créature. Ce n'est pas possible. Si tu es en Christ, tu es une nouvelle créature. Il n'est pas capable de dire que tu es une nouvelle créature. Non, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Et pas si ça, il y a des choses anciennes sont passées. Toutes choses sont devenues nouvelles. Tu vois, un petit monde qui est en Christ, il n'est pas vite, vis-à-vis de Dieu, il est en Christ. Sur la vie qu'il vit, même Dieu. Amen. Parce que sur la vie, il y a une vie nouvelle. Sur la vie, il y a une vie qui conforme à la Bible, à la parole de Dieu. Donc, un quelqu'un qui est baptisé, et donc, il y a combien de temps il y a été baptisé? Il y a 10 ans, frère, 15 ans, frère, il y a 20 ans, il faut être baptisé. 20 ans, il est baptisé, il y a encore modèle, pas de baptisé. 20 ans, il baptisé dans l'église dominicale. Moi, je me rappelle pour ma dire, après un an baptême, deux ans baptême, qui n'arrive pas à la vie. Puis après un an, il me baptise, mais je me prêche l'évangile dans l'église. Moi. Après deux ans, trois ans, mais je me prêche l'évangile dans plusieurs églises. Parce qu'il m'a baptisé, moi. Baptisé, pas de pédiaire, c'est si plonge dans l'eau, ça vient. Je vous explique ça là, c'est ce que je vois. Et si elle dit qu'elle trouve, les baptisés, je ne sais pas combien l'année, etc. Pas vraiment 5 ans, 10 ans, 20 ans, 25 ans. Je ne sais pas sur la vie, les trouver encore anciennes même. Vous voyez, il y a des guettes sur la vie qu'ils vivent. Et il y a un modèle de pareil même. Il cause pareil, il cause bruit pareil, il mauvais pareil, il y a des adultères pareil, c'est pas. Pardonnez-moi. Les mêmes affaires. Ils suivent tout l'amour pour le monde, ils vivent tout pareil comme le monde, ils vivent tout mal baptisé. Tout mal baptisé. Vous dites, moi, je mets ça au milieu dans différents plans. Comment mettre dans différents bon sens pour lui? S'il passe beaucoup, les dents dans différents, il plus où on va. Tiens, moi, je mets dans différents plans. Non, je mets ça dans différents. Tu fais là-bas, je mets ça au milieu. Qui fait réellement parce qu'il baptême? Parce qu'il baptême, c'est pas une affaire qui fait exister physiquement. Tout le monde trouvé, puis baptisé, il prend l'île, plonge dans de l'eau, tiré, et du monde insiste, il connaît, ah, mon baptisé parce qu'il plonge dans l'eau. Non, le bouquet de sens, amen. Si un du monde, il trouve l'île baptisé sur la vie pas convertie, sur la vie pas changée, c'est-à-dire il rate tout. Il rate tout. Parce que, d'après la Bible, quand il y a un monde et il baptisé, il est bien sauvé. Et le bouquet de bien-aimé, est-ce que nous ne pas sauver? De là, nous retournons dans ce qu'il y a baptisé. Donc, des autres, ça n'est pas fort, mais nous continuons. Pour qu'il reste dans le cœur, il reste dans la mémoire, la réalité. Qui bon Dieu veut dire dans sa parole quand il propose être sauvé? Être sauvé, en fait, mon Dieu veut dire qu'il nous puisse trouver nos vies délivrées de tous nos ennemis. Jésus est venu pour ça, bien. Jésus est venu pour qu'il nous aide, pour nous faire l'église, pour nous faire là. Jésus est venu pour qu'il nous aide sauvé. C'est ça qu'il nous dit. Sauvé, c'est la Bible. Dieu, tant qu'on est dans le monde, qui nous envoie son fils unique, Jean 3,16, avec quiconque croit en lui, il n'est plus périr, ne périr ce point. Mais qu'il ait la vie éternelle. C'est lui qui appelle être sauvé. C'est un démon qui n'est plus périr. Mais si un démon continue à respirer, c'est-à-dire, si un démon qui continue à trouver sur la vie, reste dominé par le diable, dominé par le péché, dominé par la chair, dominé par la malédiction, dominé par tout ce qui n'est pas bon, mais il n'est pas de sauvé. Il n'est pas de sauvé. S'il sauvait, s'il sauvait, s'il sauvait, un démon qui vient être sauvé, c'est un quelqu'un qui vient racheter légalement pour mon Dieu et qui maintenant il peut vivre dans le royaume de Dieu à cause de ça même qui le diable, pas qu'à faire ce qu'ils ont vie avec lui, le péché, pas qu'à faire ce qu'ils ont vie avec lui, la malédiction, pas qu'à faire ce qu'ils ont vie avec lui, parce qu'il fait, parce que ça qui est là, il passe de la mort à la vie, il vient être racheté et tout ça là,
fin déroulé tout simplement parce qu'il l'incroit. Donc Jésus c'est qu'il fait la croix, l'incroit là-dedans et c'est comme si l'insigne l'alliance là. Vous voyez, ça avec un bel signé là. C'est un engagement. Vous ne trouvez pas tout le monde, tout le monde qui nous fait, va nous dire signe là, signe là, signe là, quand on dire signé là, là. Ça fait essayer, c'est ça. Connais-tu qui peut signer? C'est tout à la semaine là, au magasin. Signe là, on a dit bien l'autre part, c'est signe là. Un signe là aussi, initialé là, signe là. Connais-tu qui peut signer là? Par exemple, les gens qui lient, c'est pas un petit petit écriture là. Pas de ticket qui se fait signer là. Et dans beaucoup de conditions, on peut signer là. Avec baptême bien aimé, il y a absolument, nous pouvons mettre une signature qui nous peut accepter, délivrer du diable, délivrer de la malédiction, délivrer du péché, délivrer de la chair, délivrer depuis cette alliance qui a donc fait depuis le commencement là, et nous peut signer qui a cité là, moi porte et à Jésus-Christ. Amen. Si ça c'est un tiers, bien fait, bien fait. Ça c'est un tiers, bien fait, vous voyez. C'est un appel légal, divin, lisé, bon Dieu, c'est là. Amen. C'est pas un appel légal, c'est ce que m'a dit la cour, Maurice, c'est pas qui paye. Après, on attend des papiers, on perdit, non, on va faire ça. Non. C'est qui est baptisé réellement, vous regardez. Dieu rentre en action là. Parce qu'il fait, parce qu'il veut même, bon Dieu, trouver qui te fait alliance-toi avec lui. C'est pas une affaire. Baptême, pas concerne l'église, c'est pas cascabelle, c'est pas qui l'on voit, c'est pas qui était ça. Baptême lui concerne de la vie avec Dieu lui-même. Baptême pas concerné au pasteur, pas concerné aux personnes. Baptême lui concerne avec toi, avec ton bon Dieu. Tu viens de lire un CR qui, ça sert à lire, il est une situation que tu ne peux pas être appelé baptisé. Parce qu'il est musulman et. Quand il était là, s'il pouvait faire des mots baptisés, il va dire à tout lui. Il me dit, il rentre dans ce milieu, il dit, mais qu'est-ce qu'on baptise toi, lui-même? Il dit, vous baptisez toi au nom de Jésus. Il baptise, il dit. Il dit, va dire la parole. Baptême, son relation. C'est pas qui dit qu'on baptise, pas qui compte. C'est dans ton équipe à toi qui te le croit, qui te peut faire. Parce qu'il baptême, il concerne en toi avec bon Dieu. Amen. Tu vois pas, n'importe qui s'est né, tu dis Pierre, baptise-moi, Zone, baptise-moi, Zach, tout le monde. N'importe qui s'est né, tu baptises, tu vas me dire non, mais là. Mais ici, c'est une question de toi. Toi avec bon Dieu, ton accepté pour renoncer à tout, pour répondre, pour alliance toi avec bon Dieu. De tout ton équipe, tu le fais dire, correct, papier l'un signé. Et ce matin, on dit Jésus bien-aimé, qui seulement, baptême, il n'est pas fini là. À cause de ça, qui beaucoup de monde, comment dire, ils ont dit penser, comment finir, baptiser, sortir dans l'eau, fini, correct. Et là, on fait ce qu'il y a. Parce qu'il finit baptiser, fini, correct. La vérité, non. Quand on finit baptiser, à ce temps, tout commence, c'est pas tout fini. C'est à ce là qui dit mon âme, il disait, applique-lui pour continuer. Quoi? Sa bonté là, mort avec sa bonté là, et laisse la bonté là sur l'œuvre faire dans son vie. Et dans l'œuvre là pour faire, l'œuvre là qui te trouve doit être sauvé. Parce qu'être sauvé, bien aimé, on va nous dire, c'est pas demain, il y a qui baptisé. Comment demain il est baptisé? Mais il va pour trouver un seul coup, c'est pas quand il est sur la vie, il trouve fini délivré de toute la puissance des ténèbres, fini délivré de tout péché, fini délivré de tout mal et tout. D'abord, tout ça l'a réalisé, c'est le coup, lui. Justement, l'étant l'île baptisé, l'île sens comme une rescue de bon Dieu, à partir là,
Bon Dieu, pour qu'on t'y révèle sur les prières, c'est qui visait. Bon Dieu, pour faire l'île, pour qu'on prendre mort pour la foi. Parce que maintenant, il compte bon Dieu là, ça pour là. Il donne la main de Dieu, là. Là, bon Dieu, pour façonner. Là, bon Dieu, pour transformer. Mais il est là que finalement, tu vous n'as pas trouvé à faire les temps. Quand il décrit, il vous trouve l'île sauver. Il vous trouve l'île, puis débarrasser. C'est ce qui bon Dieu, tu dis, pour faire la solavina. Il vous trouve tout ça, mal affaire là, fin à accomplir dans solavina. Mais baptême, c'est pas comment dire, on a fini baptisé, qu'on va tout finir à accomplir. Non. Baptême, c'est pour pouvoir dire, c'est tout peut commencer. Et ça, il fait encore, ça fait chouette sauver là, il passe l'eau. Quoi? Baptisé, après, tu m'en as sauvé. Et sauver veut dire délivrer de toutes nos bonnes ennemis, délivrer du diable, délivrer de la chair. Délivré de la malédiction et sauver veut dire aussi les temps bon Dieu. Il finit délivrer nous. Mais il y a une tierce soit là dans nous. Et là, c'est dit que bon Dieu Père, il restaure nous. Il met dans nous sa puissance divine qui finalement, elle a sa conduit nous dans sauver nous. Un petit monde qui finit d'être sauvé, c'est un kiken qui n'est plus esclave du diable. Il n'est plus esclave de la chair pour vivre selon la chair. Ce que vous voyez là, là pour avoir tout versé mon vie des autres. Il n'est plus esclave malédiction, mais maintenant il vient un enfant de bénédiction. Et un kiken qui vient d'être sauvé, c'est un kiken qui est restauré de Dieu. Un kiken de moi, pour le dire, soyons revêtus du Seigneur Jésus-Christ. Ça trouve dans Romains, chapitre 13, chapitre 14, voilà. Revêtu du Seigneur Jésus-Christ, c'est-à-dire rempli avec la vie divine, et c'est-à-dire là, rempli avec la vie divine, maintenant, l'immense dans la volonté de Dieu. Il n'a arrêté périr, il gagne la vie éternelle. Ça, c'est être sauvé. Baptême lui-même, bien-aimé, baptême, c'est l'engagement, c'est être oui, engagé avec Dieu en Jésus-Christ. Tout le monde engage en Jésus-Christ avec mon Dieu absolument, comment dire, à nous dire, pareil pour Eden Moriah. Exactement pour Eden Moriah. Allez, imaginez un coup. Dès que vous venez pour vous marier, fini marier, après il y a fini, oh oui, ça va être sur vous. Il dit, finis-moi avec ce côté, il dit, moi, habitué à moi, maman. Au contraire, est-ce que moi? Mais quand tu as vu mon voyage, là, il est à vous. Et là, tu vois, bien aimé, avant de mourir, je finis de connaître pour mourir telle date, je finis d'organiser les autres conseils, si pas un mois conseil, et je finis d'organiser, si pas, je pour qu'ils basent toujours pas des lois. Il me plie le avant pour que personne ne bagasse dans une voyage, pour que je caresse son sang. Baptême, si tu bises nous. Amen. Baptême, si tu bises nous. Amen. Tu connais Jésus qui tu fais quand il finit de baptiser? Tu prends bronzé d'ici. Ils vont bronzer. Ben, tu vas pas finir de voyer. Ben, là, va pas bronzer. Ben, tu vas pas bronzer, mais ils vont bronzer. Il m'a envoyé à proposer pour lui descendre avec ce lait pour vous. Pour lui descendre, un petit monde qui baptise ici, il dit, il vient proposer en tout, pour dire. Il reste avec l'époux, avec Jésus-Christ. Pas lui venir baptiser, il va dire, c'est pas venir l'église, pas tout lui venir l'église. Pas tout lui sans cantique, pas tout lui prier. Il dit, t'es pas venu, il baptise, c'est un bon. Il m'a envoyé le même jour. Finiment, il n'y a pas besoin les uns les autres. Et voyez, on va pouvoir réaliser. Il va pouvoir dire que j'ai encore dès qu'il y a un moyen, il écrit là. Et les deux deviendront un seul. Mais d'après vous, et si vous le mariez, un reste Rodrigue, un reste Amérique, tout le monde est seul. Nous restons ensemble. Vous voyez, c'est.
plus tu m'en as ressensable, on veut dire, tu arrives à réaliser finalement qu'ils sont tous les biens une seule personne, on veut dire, c'est cette pièce qui rentre dans son place, on veut dire, tous les biens c'est une seule. Mais le baptême, bien aimé, il va nous réaliser qu'il nous supposait une seule avec mon Dieu, on veut dire. Plus nous ressensable avec mon Dieu, passe les temps avec sa parole, passe les temps chanter, louer, glorifier mon Dieu, finalement nous pouvons. Nous vivons un seul avec Dieu. Amen. Mais si un démon dit qu'il est baptisé, qu'il est fini, baptisé, après fini. Là, comment est-ce qu'il y a une clé? Il dit qu'il est baptisé. C'est un mot qu'on est. C'est-à-dire un zoom mouvement dans le ciel. Faut savoir. On veut dire qu'un démon est baptisé à ce temps-là qu'il est venu d'une position. S'il est bien baptisé l'ancien, s'il est fait bien de tout cœur, nous ne va pas connaître ce qu'il nous a après. S'il fait ça bien de tout cœur, on veut dire là, le ciel reconnaît ça qui est là, comme un qui est, qu'il casse l'engagement avec le diable, avec le monde. Le ciel reconnaît ça qui est là, qu'il engage lui pour vivre avec bon Dieu, comme les autres, comme un qui est qui mourit. Et dans le ciel reconnaît ça, les là bon Dieu, écoute ça. Les là qui bon Dieu, il a le droit pour capable à cause ça du monde là, tout bonne bénédiction qui sont parole de Dieu. Parce qu'il est là, ça qui est là, il n'est plus appartenir au diable, il appartenir à Dieu. Parce qu'il nous tout bien aimé, nous finit vendu au diable. En Adam. Tout le monde étant mon Dieu créé Adam et Ève, c'était, je veux dire, banal pour mon Dieu. Banal pour mon Dieu. Étant Adam et Ève péché, banal n'est plus pour mon Dieu. La Bible dit le monde entier est sous la puissance du mal. Et tout le monde qui naît depuis Adam et Ève, sont tout moyen de vivre, sont nés comme propriété du diable. Le diable domine les autres, le diable fait tout ce qu'il a envie. Jésus-Christ est béni, bien-aimé. Pour tirer nous de la puissance des ténèbres, pour amener nous dans son armée, pour amener nous dans son royaume. Dans Colossiens, chapitre 1, verset 12, il y a ça, qui Jésus, il délivre nous pour sautissant de la puissance des ténèbres. Rendez grâce au Père qui nous a rendu capables d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Et termine-nous là. Nous gagnons part à l'héritage des saints dans la lumière. Comment? Qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. En Jésus-Christ, ça. Or, Jésus-Christ s'est il payé l'eau, la croix, nous qui sommes qui gagnent qui tient derrière, mais vivre sous la puissance des ténèbres, sous la puissance du diable, pour Dieu payer, bien-aimé, pour qu'on tient nous. Mais quand tu veux baptiser, quand tu veux les témoigner sur la foi pour le baptême, tu veux là, il peut dire officiellement qu'il a accepté la mort de Jésus-Christ, il a accepté Jésus comme son sauveur, il a accepté sa sacrifice-là pour sauver, pour racheter lui. À partir là, bien-aimé, papier signé qui, à ce temps-là, nous appartenir à Dieu et à ce temps-là qui bon Dieu vous a dit il a droit pour qu'on porte travail dans la vie, pour qu'on façonne nous, pour qu'on bénisse nous, pour qu'on fasse tout ce qui vous a dans la vie. Et moi, je connais ça bien. Avant qu'il me connaisse Jésus-Christ, mon la vie, ce n'était pas Dieu qui te gouverne mon la vie. C'était le monde, le plaisir de ce monde, les sauts de ce monde. Ce qui s'allait le monde là, c'est que le diable, il met dans ça le monde là. C'est ça qui tient continuellement, risque pour la vie. Mais alors, c'est que le diable, il tient en vie vers moi. La Bible dit dans Éphésiens, chapitre 2. Mais une fois qu'on vit dans Christ, ça, on va faire les baptiser en Christ en Julien 88. Et 7 Julien 88. Et 20 août. C'est-à-dire, un mois par là, à peu près, en août de suite, fini dans la parole de Dieu, fini comprendre, fini quoi, pénalisé, je vous fais baptiser. Et mon cas, tiens, ce bien-aimé, on m'a fini baptisé. Vraiment sans grand. Vraiment sans grand. On a trouvé
qui a trouvé visiblement comment bon Dieu agit, comment bon Dieu fonctionne, comment bon Dieu change les choses. Comment dire, où change là? Changer dans tout domaine là, dans tout domaine. Comment tout ça fait avancer en vitesse poussée pour tout en temps, en termes de travail, en termes de la vie, tout domaine, tout domaine. Comment dire, comment dire, tout, tout change donc. Et ça qui quelqu'un de nous responde là, qui a été réagi à vous dans la vie, qui a été fait quelque chose. A cause de ça, vous êtes un bien aimé. Si elle dit qu'elle croit, vraiment, l'imbaptisé, l'imbaptisé trouve bon Dieu peut fonctionner. Non. Bon, peut cause fonctionner là. Bon, peut cause si vous venez à l'église, vous m'avez dit, là, les mots dire, par la foi, c'est moi, mon corps, bon Dieu, pour faire. Par la foi, mon corps, mon pour gagner. Non, 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 non. Tout lui peut passer. Tout ça fait là, peut fonctionner, peut opérer. Ça, ça fait qu'il y a une bénédiction là. Pas dire, mon corps, un jour, mon Dieu, pour bénir moi. Qui fois un jour, mon Dieu, pour bénir moi. Non! Le bonheur et la grâce. Lui suis moi, quand moi aller, lui suis moi-même, lui suis moi-même, lui suis moi-même. Quand nous venons en Christ, c'est comme ça qu'il fonctionne, ça bien aimé. Parce qu'il nous donne la main de Dieu, prêtre. Qui vient pour mettre des autres, ça bien aimé. Parce que, tant que nous le ratons, tu vas nous faire ça. Après, là, là nous trouvons pas bien, mais qui fait un bon pareil. Qui fait un bon Dieu, moi, tu parles de moi. Mais tu as signé. Alors, puis tu as signé. De t'y baptiser à cause de tout ton camarade de baptiser, ou soit de me baptiser, de t'y baptiser parce que de t'y comprends que Jésus est mort dans la croix pour sauver toi et de tout cœur de l'accepter, pour renoncer notre avis là, pour mort en nouveauté de vie. Pas fait pour moi, ça va parisien là, tous en baptiste, les baptiser. Alors, pas de parisien là, aussi. Je viens de baptiser aussi. Et quand je viens, je trouve ça, quoi ça s'appelle? Je trouve ça, c'est là qu'il monte des autres pour fuir la colère à venir. Je viens baptiser là. Je viens faire un geste, viens baptiser, mais on dit non. Viens baptiser d'une manière qui est pour produire un fruit digne de la repentance. Mais je viens faire. Moi, au sacré qui me trouve, le peuple de Dieu, tout le monde qui vit l'église, par converti. Comment dire, il y a des affaires abnormales. Il n'y a pas normal ça. Il y a des affaires abnormales. Comment dire, je veux dire, mon médecin au 8 là, non, tu fais pas une bouche. Comment ça va? Vous pensez, mais ça, là, tu fais pas une bouche. Puis ça peut pas manger, non pas manger. Vous pas connaître le problème, il y en a moi, quand il y a des gens qui ne sont pas autre ça. Un timon, il vit l'église, il baptisé, sur la vie, pas converti. L'eau la terre, c'est qu'il va timon, il découvert, il fonctionnait. Parfois, il faussé, parfois, il est réglé. Parfois, généralement, il fonctionne. Mais laisse-moi dire ça, bien aimé, c'est que bon Dieu, il est établi. Il n'est pas ni déréglé et il tout le temps fonctionne. Il tout le temps fonctionne. Qui fait mon frère, il tout le temps fonctionner parce qu'il m'en trouve. Ne pas me témoigner dans ta parole, ne pas me ressortir Jésus-Christ comme un religieux. Je me ressortir Jésus-Christ parce qu'il m'en trouve, il fonctionne. Et il va fonctionner pour me dire une fois, après le coup, il va fonctionner. Non! Toute longue la vie, toute longue l'année, il fonctionnait. Prenez l'année, votre bonne vie, il fonctionnait. Deuxième année, il fonctionnait. Troisième année, dixième année, vingtième année. Toute l'année qui finit là, Jésus-Christ fonctionnait selon sa parole, selon sa promesse. Il reste fonctionné par un petit tout. C'est-à-dire, vous connaissez, mon pas bizarre, le rôle est l'autre vérité, lui-même la vérité, parce qu'il fonctionnait. Mais vous ne pouvez pas dire, vous pouvez continuer à vous dire un jour, vous pouvez raconter la vérité, un jour, vous pouvez raconter la vérité. Puis un jour, vous pouvez la vérité. Fini pour la vérité. Parce qu'il reste fonctionner selon sa parole. Il reste fonctionner. Dieu bien-aimé, il est réel. Puis là, non, il y a qui sont censés dans mon Dieu. N'importe qui s'est dans n'importe qui est temps. Ou il m'a dit, vous voulez, puis quand Jésus-Christ me dit, avant l'immobilier. Pensez-vous.
avant Jésus-Christ mort. Lisez ça. Celui qui croira sera baptisé, sera sauvé. C'est avant son amour, Lisez. Avant son amour, Lisez ça. Non, juste après son amour. Juste après qu'il est mort, qu'il est ressuscité, Lisez ça, bien aimé. Vous me voyez les autres, il y a plus qu'il y a 2000 ans de cela. Jésus, il dit comme ça, celui qui pour croire, pour baptiser, il est pour sauver. Et ça réalise. Elle ne va pas faire qu'il y a encore là. Il dit, voici les miracles qui accompagnent ma vie, qui est pour croire. En mon nom, je vous sasse des mots, je vous parle en langue. Ce qu'il dit à la bien, mais ça réalise comme ça. Amen, amen. Et puis, parce qu'il y a. Et il va suivre non rien. Il va être pas Israël. Et l'Indien, c'est le qui s'appelle aux extrémités de la terre. Hébreu, parole-là, mais dans l'extrémité de la terre. C'est dans l'extrémité de la terre, là. Et un petit pays qui appelle l'île Maurice, ça. Dans un petit pays qui appelle l'île Maurice, là. Et un petit endroit qui appelle Cascavel. Et ça vit avec moi. Non, bon Dieu, là, faut. Bon Dieu, là, réel, là. Bon Dieu, là, réel, ça. Bon Dieu, là, fonctionner, là. N'importe qui c'est là. Qui pas de soc à moi, pas de personne, mais qui ouvert sur les guerres. Sérieux, il croit dans Jésus-Christ. Et quand il baptisait ici, il baptisait sérieux. Et il décide pour répentir, pour sens la vie, pour grâce avec mon Dieu. Donc il décide pas sauver. Tu es la vie pas transformée. Tu es la vie pas transformée. Tu es la vie pas convertie. Décide de nous baptiser. Ton beau pareil, ton beau cause, ton beau sourire, ton beau la guerre, ton beau même pareil. Ça ne parle pas de ça, mais quand quelqu'un est alliancé avec mon Dieu, et dans le Seigneur travaille dans nous, on veut dire, bien aimé, et dans le travail dans nous, on veut dire, il ne fait pas nous vivre la mer, il fait nous vivre tout. Tout même, bien aimé. Il travaille dans nous, bien aimé, il fait nous vivre amour, il fait nous vivre saint. Et quand mon Dieu travaille dans nous, les affaires qui mon Dieu fait, mon Dieu détruit l'incrédulité dans nous, il fait nous vivre par la foi. Il fait nous vivre quelqu'un qui croit dans lui, croit dans sa parole, croit dans sa puissance, et fonctionner selon sa volonté. Amen. On voyait ça quand même pour vous. Amen. Il a dit, tu crois aussi ça qu'on est dit sur l'église comme tu étais. Il vit dans notre église. Il dit, tu crois ça qu'on appelle pour vous. Ça appelle ça en église. Converti, mais il y a ton sensé. Sensé, ton transformé, ton épris comme avant. Mais ton vin est l'autre, mais pas n'importe qui l'autre seulement. Ton vin est une nouvelle créature qui glorifie mon Dieu. Normalement, si un dimon il croit en Jésus-Christ, et si un dimon il baptise, selon la parole de Dieu, il engage lui, comme un bisin, en Jésus-Christ, ce qui peut arriver, bien aimé. Sur la vie pour transformer. Plus il reste en communion avec sa bonté là, sur la vie pour continuer sans transformer, 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 transformer. Mais baptême veut dire, submerger même, c'est-à-dire plonge dans l'amour de Jésus-Christ et demeure dans l'amour de Jésus-Christ. Elle demande parole de moment, quand on passe le temps avec mon Dieu. Elle demande parole qui saute dans le cœur pour la bouche continuellement. Ça, c'est qui me demeure en Jésus-Christ, me demeure dans l'amour de Jésus-Christ. Quand nous baptisons dans de l'eau, oui, nous plongeons dans l'eau, nous nous tirons. Nous ne pouvons pas dire dans l'eau, nous dans l'eau, nous nous tirons. Mais seulement, ce que vous avez seulement, baptiser. Nous suppose bien qui reste dans le baptême, c'est-à-dire nous restons dans l'amour de Jésus-Christ, nous passons petit la gorge. Amen. Donc tu nous l'as dit, nous plongeons, nous tirons. Mais seulement, combien de gens qui viennent baptiser, nous disons physiquement tout ça. On veut dire, mon père vivre dans l'amour de Jésus-Christ, lève-moi. Donc, quand nous restons dans l'amour de Jésus-Christ, tout ce qui vient payer dans l'amour de Jésus-Christ, accomplir dans nous la vie.
Mais si vous m'avez dit, n'oubliez la mort de Jésus-Christ, n'oubliez la résurrection de Jésus-Christ, n'oubliez la crucifixion de Jésus-Christ, et qui va vivre toi? Tu peux vivre normal, comme à tout le monde. Et vous m'avez dit, si nous mettons des affaires, d'une protection, et nous tirons de protection là, mais nous pouvons y être affectés. C'est en Jésus-Christ qui nous gagne toute victoire. Vous voyez, nous demeurons en Jésus-Christ. Et il y a des affaires qui sont extrêmement importantes concernant le baptême. L'apôtre Pierre mentionne ça dans Actes, chapitre 2, verset 38. Les apôtres, chapitre 2, verset 38. L'étant Pierre fit faire son premier discours concernant le Christ, Adjali, qui disait fait. Pierre répond aux autres comme ça. Répentez-vous, bien, il dit, répentez premièrement, et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ, ça déjà le Père, pour le pardon du péché, et il dit, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Vous voyez, parce qu'il va là, il remplit du Saint-Esprit, ça va disciple qu'il a là, rempli du Saint-Esprit, c'est des jours de la Pentecôte, mais il est rempli du Saint-Esprit, c'est ça va les autres timoun là. Et donc Pierre finit, les autres, c'est que je vais trouver là, vous voyez, nous parlons pour nous pas sous nous, c'est une question qui, c'est que le prophète Joël, qui dit, nous finissons être remplis du Saint-Esprit. Il va dire, mais nous sommes remplis du Saint-Esprit, nous. Tu es rempli du Saint-Esprit, je mais nous, grimper. Pierre dit, oui, c'est tu as rempli du Saint-Esprit. C'est moi, je vous ai répondu avant que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de péché. C'est-à-dire, il va faire un Pierre, avec sa équipe, là, je vais faire un jeu. Je vais répondre. Sont baptisés pour le pardon du péché. Après, c'était là, il arrive le moment où on termine, remplis-en du Saint-Esprit. On arrive à trouver par là, bien aimé, qui n'a aucun baptême qui est dans la vallée si un timoun n'est pas répandu. Vous voyez, baptême n'est pas à mettre sa rette timon bœuf. Même timon, après, ça rette vite derrière, bœuf là, qui la force là, après, qui risque sa rette là. Vous pouvez regarder du monde, mais baptisé avant de répondre. Oh, bah, mettre souliers avant de mettre chaussée. Mettre chaussée, après mettre souliers. Pourquoi mettre souliers après mettre chaussée? Nous disons, répondance bien aimée, ça c'est, ça c'est numéro un. Qui est du monde bien fait, hein? Et répondant, c'est une affaire qui paraît sape du monde, vous dites bien, sape être humain qui nous la terre, c'est une question en toi avec ton bon Dieu. Vous savez, parfois, nous trouvons du monde dans une évangélisation, et ben du monde censé pour répondre. Tu vas nous dire ensemble, Seigneur Jésus-Christ, pour reconnaître ton rôle la croix pour moi, ton corps de moi de tous vos péchés, pour le droit de tous vos larmes, pas arrêter. Nous trouvons un petit peu de temps faire dans l'évangélisation, souvent nous trouvons ça. Et, les autres qui sont là-bas de pasteur, comme ça va des situations là, qui fait parce que tu vas trop exagérer, et tu vas finir la prière là, maintenant battre la main, tu vas dire qu'elle là, parce qu'il va finir de nouveau, il va finir qu'elle place dans le ciel tout. Mais il faut se faire. Il faut. Donc, il y a un petit monde là pour gagner des bords. Mais tu vas finir à combien là? Parce que normalement, la répondance, c'est un piquet qui, chaque dimoun, lui-même, dit supposé, ouvrir sur les terres, dit man bon Dieu, pardon, répandit, renonce à tout ce qu'il vient faire, lui-même, de tout sur les terres, il fait rien. C'est même ça, quand il me dit, moi, je dis, toi qui me connais, toi qui connais qui t'en fait. Pas un bouquin primaire, c'est pas un bouquin, c'est pas qui. Toi, connais. Si pas toi, voler, si pas toi, agilité, si pas toi, drogue, qui te la vie était. Toi qui connais, qui tu étais, pour te capable de dire, mon Dieu, moi, tu m'as dit, pardon, mon père vivre telle qualité de la vie, mon père arrête sa qualité de la vie, mon père résette ça, mon père renonce ça, pour qu'il m'en dise, j'ai dans toute la vie, mais moi, pour moi, mon ami, je te vois. Tout le monde aussi, mais mon roi, son nom, tu vis. Bien habillé, bien plaigné, souriant. Tout le monde. Vous pouvez mettre ça sourire alors, je dis, je suis un bon enfant, c'est un côté haut.
Vous avez été là, c'est Dieu qui a été. Bon Dieu qui trouve dans son équerre, qui connaît la réalité, ça Dieu qui peut vivre, bien aimé. Bon Dieu qui trouve tout, bon Dieu qui connaît tout. Vous dites à bien aimé, qui. Sa question qui appelle répondance là. Moi, je connais pour mon propre la vie, pour mon féli. Et mon disais des autres ça, qui m'ont pris plusieurs semaines pour répondre. Vous pouvez dire plusieurs semaines. Et là, tu dis, mais moi, je vais te dire, je vais te dire, je vais te dire, je vais te dire, je vais te l'église, je vais te dire, je vais te dire, je vais te dire, Amen. Bon Dieu envoie Jésus pour pouvoir délivrer nous de tous ces capels, tout ce qui est contraire à son volonté. Tout. Amen. Seulement, il n'y a pas qu'à faire sans nous consentement. Bon Dieu bise nous consentement. Bon Dieu va faire non, il n'y a pas qu'à tous non sans qu'il nous donne ni permission. Il faut nous donner ni permission. Vous savez, la Bible dit que bon Dieu, il était allé à la porte de l'ouvrier et il tapait, il dit, c'est lui qui ouvrait. Les là, il rentre. Bon Dieu va faire non dans la vie personne sans le consentement. Non, même. Mais, si un dimon ouvert sur les quais, il tout libère bon Dieu tout seul. Dans son la sable, n'importe quoi de sa sagité. À l'époque, moi, je suis dit que Jésus-Christ, pas tenu à la somme, non, mais ça. Moi, je suis dit que je Alors, si je suis dit que je suis dit que un lieu secret tout seul, en moi, mon Dieu, pour mon cas cause, mon Dieu, là, pour mon capable répondre mon lecteur, pour mon capable dire à lui combien, mon sacré, c'est la vie qui m'a vivre là, et c'est là, mon Dieu, Jésus, mon pour moi, pardonne-moi, Seigneur, délivre-moi de tout ça, mon affaire là, mon renonce à tout, de tout mon lecteur. Crois-moi, ça fait un peu de répondance là. Si on fait ça bien, souffrir du bien. Mais pour tout le monde, comment dire qu'il parlait répandu? Bah, pour répandu, n'existe Dieu, vous pouvez baptiser moi. Ne baptisez pas vos noms. Te trouver qu'il est là, te pas pour produire un onien. De pas pour gagner rien, de pas pour connaître qu'appelle le Saint-Esprit, de pas pour connaître qu'appelle le rempli du Saint-Esprit. T'as tout le monde, hein, parce qu'il fait, contrat là, c'est de viser à répondre pour le pardon du péché. Ça, c'est tout. Prenez ton péché vite pardonné. Prenez ton écho, ton écho vite le temple du Saint-Esprit, ton écho vite. Tout le mal, toute l'impureté, te met tout dehors, te fait répentir, et bon Dieu, pardonne-toi, sorti sans mille larmes. L'étant lui baptisé, puis il peut venir propre. Il peut venir avec un équerre qui renonce à tout, un équerre qui résiste tout, et dans sa timoune-là, elle est là. Il est baptisé, sur l'alliance concrétisée, misère bien aimé. Qui bon Dieu, moi, concrétise sur la dent, ça qui gagne là, moi, de suite, le Seigneur, quand il y a, heureux, en récitant là, quand même, le Saint-Esprit. Fini répandu ça, fini laver là, fini laver, fini faire l'alliance, fini signer, Saint-Esprit, rentrez, de suite. Pas besoin d'attendre, pas pour résoudre, pas besoin d'attendre, pas qui pour faire, pour ma maladie, on sait bien que Saint-Esprit. Pas besoin de tout ça. Pas misère. Bah, déjà, c'est pour te recevoir le Saint-Esprit. Alléluia. Non, il n'y a pas misère tout ça là, bien aimé. Mon cas, rassure en vous. Pas misère tout ça là. Mon vivre, moi-même. C'est qui me connaît, c'est moi, c'est qui me bizarre. Quand on vient au bizarre, sans ça, ma vie. C'est un équerre qui est d'accord pour renoncer à tout. Vous pouvez dire tout là. Si ça tout là, dit 99.9%, il va fonctionner. Non, il va fonctionner. C'est pas tout. Vous voyez, bon Dieu, moi, je ne trouve pas ça niveau là, ma mère. Bon Dieu, trouve ça niveau là, c'est vrai. Bon Dieu, trouver qui est-ce qui te donne la vie là, net, ou soit on va dire au fond de toi-même, ton calcul est une petite affaire de couleur.
L'être humain va mourir. L'être humain, il trouve aussi ce qui dit mon sol, Jésus qui se serait tendé. Tu n'as pas ta vie, tu vas dire mon Dieu, mais tu as tout pour la vie, Seigneur. C'est mort le nom de Dieu, c'est mort sur lequel il est sans doute. C'est mort tout ce qui vous dit dans tout. C'est mort mon Dieu, il dit dans ce qui donne les pierres, à l'école exactement, qui s'appelle là et pas dans tout. Vous voyez qu'à arriver là, sa papier n'a pas signé. Sa papier qui lui est signé. Pour qui ça qui est là, divin Dieu, mon Dieu, son égo, le temple du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit qui habite là-dedans, qui travaille là-dedans, sa papier là pas signé. Tout le monde, déjà le baptême, il trouvait, son aussi baptisé, un baptisé, son CSI baptisé, son frère aussi baptisé, son aussi baptisé, son aussi baptisé. C'est moi, tout le monde là, après son avis pareil. Sur les cours, pas de venir le temple du Saint-Esprit. Paix dans l'Esprit de Dieu dans lui. Paix dans la manifestation. Pas le fruit de l'Esprit dans son avis. Nous ne pouvons pas oublier d'être sauvé, puis transformé. Pas de venir nous baptiser, c'est mort. Et là, je ne vais pas passer à la parole. Il va prêcher bien. Vous savez, pardonnez-moi, qu'est-ce qu'il a envie de dire? Moi, je connais bien les gens qui. Sa question, le baptême là, c'est pas pasteur là qui me concerne. Non. C'est ça, dit mon là. C'est tout, tout ce qui m'a pu raconter, je peux dire ce là. Quand on va te baptiser, un corps, ça concerne pas si t'en es. Un corps, même pas si t'en es. Je vais t'en beaucoup là. Beaucoup, je vais t'en donner. C'est parce que vous êtes arrivé, vous êtes dans la voie, mon Dieu. Vous êtes comprend. Avec la Bible, mon comprend. Qui bon Dieu appelle nous pour renoncer à tout pour résider. Une fois nous faire ça, une fois tu renonces à tout, tu résides tout, débordement. Débordement du Saint-Esprit. Parce qu'il va bien être signé. Mon papier là signé, mais là, vous papier là de l'autre côté. Pour débordement. Restaurer du Saint-Esprit. Et quand nous restaurer du Saint-Esprit, quand nous remplir du Saint-Esprit, c'est l'appel, le baptême du Saint-Esprit, c'est l'appel. Mais quand nous baptiser du Saint-Esprit, bien aimé, nous restaurer avec la puissance d'en haut. Et quand nous restaurer avec la puissance d'en haut, c'est maintenant qu'il nous garde pour ça, qu'il nous donne position sauvée. Pas encore sauvée, c'est moi. Seulement, nous donnons position qui ne pourra pas être sauvée par Philippe Père. Nous venons débarrasser de l'ennemi et nous restaurer de la puissance de Dieu. À ce terme, l'œuvre de Dieu pour faire dans nous la vie. L'œuvre de Dieu pour faire dans nous la vie et nous la vie pour transformer, pour arriver à un niveau que nous la vie pour ressembler le Seigneur, pour glorifier le Seigneur. C'est lui qui croira, sera baptisé, puis est sauvé. Il va servir non, il est qui? Moi j'ai mon croix de tout mon cœur. Moi j'ai mon baptisé tout, mais c'est moi qui m'a sauvé. Croix baptisé tout m'a sauvé. L'évangile fausse. L'évangile pas qu'à fausse. Il faut dire, chaque étape qui bon Dieu appelle nous pour accomplir dans nous la vie, il faut des étapes là. Accomplir comment mon Dieu dit, surtout bien aimé, surtout sa question répentance. Répentir de tout cœur, c'est un affaire qui beaucoup de monde en vrai dire pas appliqué là. Parce que Timon a dit quoi? Beaucoup de monde quoi là-dedans? Pour vivre un frère là, tout le monde vivre dans mon ensemble. Parce que c'est évident, mes amis. Si vivre l'assemblée, tu sauves du monde. Hein? Vous faites les bons en gros, t'es là pour moi dans la zone. Non. La zone est là. Il faut des timons là, lui-même. Lui-même. Lui croit réellement dans Jésus-Christ. Lui croit réellement. Jésus est où tu vis la terre. Vraiment, c'est qu'il n'a pas bien la terre. Là, c'est pour sauver le timon ça. C'est pour sauver moi. Vous voyez, timon est quoi là-dedans? Ça qui sauve moi. Mon croix dans Jésus-Christ. Mon croix dans Jésus-Christ. Mon repenti, mon baptisé, mon rempli du Saint-Esprit. Et mon laisse mon Dieu continuer à travailler en moi. Mon reste dans le baptême.
Près nous demeurons Jésus-Christ, l'Esprit de Dieu pour qu'on dit, révèle la volonté de Dieu dans nous le cœur. Nous nous disons qu'on dit quoi et qu'on dit engage-nous dans ce qui bon Dieu, il paye pour nous en Jésus-Christ et nous continuons pour se lever, continuer dans nous la vie, nous continuons. Pour nous, mais transformer de gloire en gloire, de gloire en gloire. Ce n'est pas des affaires qui passent dans les trois jours, ça bien aimé. C'est des affaires qui passaient à misère qui nous reste costés avec mon Dieu et nous laisser révéler dans le cœur. Sans parole, nous croyons là-dedans et nous trouvons la chose accomplie. Nous pourrions manquer qui, comment dire, il y a trois affaires qui déroulent. Croire, baptiser, être sauvé. N'est-ce pas, il y a des autres qui, dans sa versée, qui dit à la frère, tu récites ça, dans Éphésiens, chapitre 2, il dit, c'est par grâce que vous êtes sauvés. Après, il dit, par le moyen de la foi. Normalement, c'est arrivé, bon Dieu, il révèle nous sous parole, il révèle nous sous la grâce, il révèle nous ce qu'il dit de nous en Jésus-Christ. Ça, c'est point numéro 1. Nous, puis, c'est une révélation. Si nous n'avons pas une révélation là, non, il n'y a pas passé. Et quand nous gagnons une révélation là, à ce temps, nous disons quoi là-dedans, nous disons bouge d'après sa révélation là. Si nous avons une action, nous disons faire, ça c'est la foi. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Rappelez bien, la foi obligatoire là-dedans, la grâce. Bon Dieu, fais-nous grâce, il révèle nous. Parole là, et dans nous gagne parole là. Ta parole là dans nous le cœur là, c'est la foi, ça bien aimé. Il met ça dans le cœur. C'est là nous qui bouge d'après sa parole là. Nous ne pouvons pas faire non rien. La Bible dit la foi sans les œuvres, il vaut. Nous ne pouvons pas dire que là, mais bon Dieu, révèle-moi. Après, on peut attendre qu'il nous passe. Non, c'est lui qui doit faire quelque chose. C'est qu'il doit faire là, nous devons faire. Baptiser, c'est des œuvres de foi. Amen. Et tu ne peux pas dire, mais pourquoi dans Jésus-Christ, mon frère? C'est moi baptiser ou quoi pour baptiser? Mais tu ne parles pas. Tu ne parles pas. Moi, comment quoi dans Jésus-Christ? Je n'ai envie de baptiser moi-même. Je n'ai envie de mettre les filles qui sont capables de baptiser moi, c'est TLM, parce qu'ils qui font. Parce qu'ils disent, j'hésite pour faire pour moi. J'ai envie de dire, et là, pour réunir Jésus-Christ. Dans l'histoire des actes des apôtres, vous connaissez l'étiquette qui Philippe qui rencontre lui, l'Éthiopien, il peut aller dans ce sort et il peut lire un passage au prophète Esaïe, il va peut comprendre ce qu'il peut lire. Bon Dieu, on peut dire une dérange Philippe, puisqu'il y a une dérange, il fait Philippe apparaître comme ça qui vient là. Philippe Cosori explique ce passage-là. De suite ça. C'est qu'elle comprend ce passage-là, de suite. Et il dit à Mohamed, il y a des gens là, qui empêchent pour baptiser moi. Dans le désert, tu gagnes de l'eau. Et à bon Dieu, vous faites quelque chose. Il me dit, dans le désert, tu baptises ça qui est là. C'est qu'elle là, soyez, allez, allez. C'est qu'elle continue de nous la parole de Dieu. C'est pour Jésus, bien aimé, qu'elle dit. La foi sans les œuvres, les mots. Là. Nous ne pouvons pas vivre pas la foi sans les œuvres. Pas exister. Quand nous gagnons la foi, quand nous donnons la parole divine de Dieu, nous devons fonctionner d'après sa parole divine de Dieu. Là. Ça, c'est la foi. Et quand nous fonctionnons d'après sa parole, là, là nous pouvons trouver ce qu'on appelle le salut. C'est que nous gagnons Jésus-Christ. Là. Nous pouvons trouver ça accompli. Là, là. C'est que nous avons pour les autres. Général dans nous la vie. Nous passons le temps avec bon Dieu cause avec nous. Nous passons le temps chanter, louer, glorifier bon Dieu révèle dans nous le cœur, il tient nous qui nous a fait. Nous faisons ce qu'il tient nous et nous trouvons victoire dans nous la vie. Ça, trois affaires là, il reste roulé comme ça. Et moi, je t'aime bien avec lui, quand nous gagnons victoire, ce qu'il nous fait, continue de glorifier mon Dieu. Amen. Continue à glorifier mon Dieu, il vous trouvez qu'il te fait mal élevé. Tu as dit qu'il y a quelqu'un qui saute, tu peux dire merci. Et tu as donné une gloire, il pourrait continuer à envoyer la révélation dans ton cœur encore. Et tu as donné une révélation, tu continues à vivre par la foi, tu continues à trouver toi béni, tu continues à trouver mon Dieu sur l'œuvre, accomplir dans ton vie. Et tu continues à louer, tu continues à dire merci, et tu continues à révéler encore dans ton cœur. Ça reste continuer à aller pour ça. Ce qui vous peut dire, c'est mon la vie.
depuis mon compte Christ en 88, c'est celle qui m'en vive. Bon, tout mon Dieu, c'est qu'il révèle dans mon équerre, mon croire là-dedans, mon confesser, il fait lui, mon continue louer lui, il continue bien lui, tout ça, ça reste roulé, continue, pour ça. Quoi, moi bien-aimé, il vaut la peine alliancer avec sa bon Dieu là, mais de tout cœur. Pas vite pour ma tête, pour ma dire, c'est pour qui t'as souffert, elle a dit qu'on ne peut pas baptiser. Non, moi peut-être pas non. Moi peut-être pas non. Parce que je te mets baptisé. T'as baptisé avec moi, toi. Tu es baptisé avec bon Dieu, toi. Ton engagement pas au moins, lui. Aucun petit monde sur l'engagement pas avec frère, mon frère. Si tu as trouvé ton engagement avec moi, mais tu pourras rater, tu pourras pas pour moi. Non, non, non. Trouve ton engagement avec bon Dieu. C'est lui qui l'a envoyé Jésus-Christ, bien aimé. C'est Jésus qui meurt la croix. Quelqu'un peut baptiser, il peut baptiser en Christ. Ou bien dans Romains chapitre 6, verset 3. Romains 6, 3 dit à moi, est-ce qu'ils ont pas connu? Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Nous pas baptisés en relation avec Timounja. Nous nous baptisons dans la mort de Jésus-Christ. Nous avons donc été ensevelis avec lui. Nous venons être enterrés en Jésus-Christ pour le baptême en sa mort. Après, comme Jésus-Christ est ressuscité de mort, par la gloire du Père, de même, nous aussi, là, nous marchons en nouveauté de vie. Si tu es baptisé dans la mort, Jésus-Christ, si tu ne trouves pas crucifié ensemble avec Christ, tu marches en nouveauté de vie. Parce qu'il fait de la vie ancienne pour mourir. Quand l'apôtre Paul dit à Galate, quand il dit, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Paul t'y dit un petit guide avant, j'ai été crucifié avec Christ. Toutes nos victoires, bien-aimés, toutes nos victoires trouvent dans la mort de Jésus-Christ. Le baptême lui concerne, nous la vie enterrée dans la mort de Jésus-Christ. C'est quand nous sommes d'accord, tu nous engages nous la vie dans la mort de Jésus-Christ, dans la résurrection de Jésus-Christ, ça qu'appelle nous les baptiser. Mais si nous voulons baptiser, parce qu'ils sont aussi à moi baptiser. Parce qu'ils m'ont amené à moi pour baptiser. Tu as quand même conseil, toi oui. Mais bon, pas de parents, conseille aux enfants qui viennent baptiser. Pourquoi tu n'as pas un conseil pour baptiser moi? Parce que quand vous voulez baptiser, mon papa sous l'or. Mais moi, je vais baptiser. Il vous dit à moi, mais tu es baptisé quand tu es petit. Ça veut dire que tu es moi. Là, vous baptisez maman, papa, vous dites mal baptisé moi, comme vous dites mal baptisé. C'est maman qui est arrivé, mon team pour moi, dans mon famille. Tirez ce côté pour la balle, elle n'a qu'à la fin. Tu sais que tu es capable en béton, moi tu existes en béton. Sois la bâtie là. Tu as pas de boulot, on donne le bout de sa mère, pied, de manière bon. Quand tu es là, tu es moi, tu pas de boulot. Pas de personne, c'est l'homme qui est arrivé. Le Seigneur, il envoie son appel. C'est Dieu qui appelle nous, bien-aimés. Et dans nous, qui nous attendons que Dieu vienne appeler nous. Et quand le Seigneur vient appeler moi, pareil, quand il appelle plusieurs aujourd'hui, là, quand il peut être venu baptiser, pas moi, mais quand lui-même, il peut être venu baptiser. Bien-aimé, c'est toi qui prends ton décision. Ou je vais dire ça, non, moi, baptiser, moi. Vous pourrez là, vous pourrez. C'est marrant. Bon Dieu, tu as envie d'oublier correct. Là, tu n'existes tout pas correct. Avec Jésus-Christ, tu dépasses correct ça. Pour un petit gars, qui trouve la grâce de Dieu, qui me baptisait, qui n'acceptait rien tout, vient avec Jésus-Christ. Pour me dire qui me baptisait, sérieux, qui me mange en Jésus, sérieux. Tu veux dire, pas plus correct. Beaucoup plus qui correct, ça vient. Beaucoup plus ça. Quand tu vas du monde, mais faire beaucoup d'efforts pour te faire un petit guide pour moi. Et t'as oublié où? Vous pouvez mettre à mon tes efforts. Non, je m'en vais pour moi. Et là, tu vois, quand ça a l'eau tout, et là, tu vois, on est qui l'y gagne tout. Mais allez, on se code. Rentre dans le royaume là, sortir en Satan là-bas, puis mort sans bon Dieu là, après que tu vas le promesse, si pas ma vraie. Ou ça, mais 10 000 personnes sont une église, 10 000 l'église, moi, je
prière pour l'hygiène du monde, santé, tout ce qui va être tigui, faire, ça va être tout à son place. Non, mais pas bougé. Mais la beauté, elle est là-bas tout là. Mais la Saint-Esprit dans sa transport là. Pas de répandu sa transport. Si tu te répandis, tu alliances toi avec bon Dieu lui-même, lui-même, il est sur toi, lui-même prend contrôle de tout là. Et bon Dieu, quand il est venu, bien-aimé, il est venu pour accomplir sa volonté. Il est venu, bien-aimé, pour qu'on mette trop partout. Il est venu pour qu'on mette l'amour dans nous, faire l'amour régner dans nous, la sainteté régner dans nous, sa puissance régner dans nous, les rendre nous plus qu'il y a guerre pendant que Dieu santé. Nous trouvons ça, ça s'appelle la réalisme dans nous. Et là, quand nous pouvons chanter, nous pouvons dire nous sommes plus qu'il y a guerre. Nous pouvons chanter, vous voyez, mieux tout guerre. Vous voyez, si vous sentez, vous pouvez sentir que nous sommes plus que vainqueurs, c'est madame moi qui est hier, vous pouvez ramasser mon problème. Moi, je pense à ce là au bord. Moi, je pense à ça bien là. Je dis, va là, mes frères, va mettre la parole, vous pouvez en vise. Mais si vous m'entendez, quand nous pensons que nous sommes plus que vainqueurs, vraiment plus que vainqueurs. T'as peut-être pas battu avec toi. Nous allons sauter pile tout le là. Parce qu'il vraiment nous plus que vainqueurs. Mais c'est pas pour nous rentrer dans cette affaire là, vrai, vrai. Si nous venons vrai, bien aimé, Dieu vit là. Paul dit j'ai été crucifié avec Christ. Pour crucifier avec Christ. C'est baptisé en Jésus-Christ. Et si j'ai vu, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et si j'ai vu maintenant dans la chair, j'ai vu dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Ça, la vie, là, pour le diable, nous pouvons vivre. Crucifié en Christ et laisse Christ même habite dans nous, vivre dans nous. Quelqu'un il baptisé en Jésus-Christ, en vrai dire, c'est engagé pour qui? Toi, avec bon Dieu. Vivons ensemble, un seul. Et d'ailleurs, là, il peut être question de ton vie, par exemple, si tu vas quitter ton vie, là. Non, il y a une question, c'est qu'il bon Dieu, lui, il est d'accord pour ton vie, ça que je veux. C'est qu'il vient de baptiser vraiment en Christ, et il demeure en Christ, il n'est plus vivre d'après son envie, c'est-à-dire. Il n'est plus vivre d'après mon famille, il me fait ça, mais mon bisère, comment pour faire, mon bisère là-dedans, mon bisère pour anticiper. Non, si tu es baptisé en Christ, tu es en Christ. Christ est le chef et le maître de tout là. Il guide-toi, il dirige-toi. Il va répondre à quelqu'un qui est mort. Dès qu'il est mort, à ce là moi, tu là, mais on me fait ce qu'il y a. Parce que le mari est le chef de la maison. Mais j'ai encore dit que ça fait bien. Dans toute la case, que le mari est le chef de la maison. Et que ta femme lui respecte son mari, lui soumette à son mari. Vous voulez qu'arriver, ça la carte la fleurie jamais. Vous voulez qu'il fait? Parce qu'il bon Dieu pour notre mariage, elle est venue à mariage. Bon Dieu pour faire tout, vous voulez faire bon Dieu pour faire tout, parce que je peux soumettre à ce qui sont paroles. Mais le moment pénal à sa soumission là, vous voulez arriver, Satan te base là pour moi. Satan te base vite pour moi. Satan qui rentre dans le programme là. Avec le baptême si pareil. Si tu es baptisé en Jésus-Christ, envoyez si tu es baptisé en Jésus-Christ, Jésus vous vient le chef de tout là. Amen. Si, tu pas avoir de faire l'alliance au bon Dieu, c'est pas moi qui sais, c'est moi. Tu veux faire l'alliance au bon Dieu, toi qui sais. Bon Dieu, mais la sève, lui. Lui-même maître de tout, bien-aimé. Ouais. Le maître de tout l'univers. Ouais. Et si tu es baptisé en Christ, lui vient te promettre. Nous sommes Jésus et Seigneur. Il est Seigneur de tout l'univers. Mais nous sommes Jésus et mon Seigneur. Quand nous baptisons, bien aimé. Et là, mon Seigneur, il vit contre moi, il vit dans mon vie, il m'omette, il contrôle mon vie, il est en moi. Et quelqu'un qui nous baptise, vous savez, quelqu'un qui nous baptise. Oh Jésus-Christ, essayez. Et il demeure dans cette alliance là. Pas capable de faire ça, Miguel, la guerre est victoire. Pas capable, parce qu'il perd. Parce qu'il bon Dieu est mort. Ou capable de faire ça, Miguel, qui est un bon Dieu avec la guerre victoire. Comment on fait ça? Comment on fait ça?
On peut dire, la victoire. C'est pas une sapée, vous voyez, que nous disons, vous voyez, un tracassé, comment nous pouvons gagner une victoire. Bon, c'est plus Christine, pas bien gagner un tracassé, je pense, et dit, mais je crois, pillé. Il dit, ça, ma manière, ma peine à mon Dieu. Ma peine à mon Dieu qui est un tracassé. Et d'ailleurs, il me faut faire nous connaître qui, toi, tu es un bon Dieu en toi, bon Dieu pour pouvoir aller tout le soir, bon Dieu pour faire tout ce qui est plus important. Baptiser, bien aimé, c'est une étape extra importante. Puis c'est des affaires qui n'est pas fait pour les yeux du monde. C'est des affaires qui fait pour les yeux bon Dieu. C'est une question cœur à cœur avec bon Dieu. C'est une question sincérité de cœur que nous renonçons à tout, nous réservons tout et nous d'accord, Jésus, mot, la croix pour nous. Jésus, mot, retrouve-moi, mot dans l'amour, Jésus-Christ, crucifié en Jésus-Christ, enseveli avec Christ. Et repenti de tous les cœurs, et les là bien aimé, baptême là bien passé. Papi là signé. Te signé de tout cœur, bon Dieu signé lui. Parlez-leur. Et là, te vous trouvez qui? Le Saint-Esprit vient habite dans toi. Nous pas trouver nous l'Igéra. Le Saint-Esprit vient habite dans nous. C'est maintenant que vous connaissez le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit est dans nous, il cause en nous, il révèle nous, il enseigne nous, il guide nous, il fait nous connaître la paix qui nous participe. Et tout ce qu'il veut faire nous connaître là, c'est pour faire nous gagner victoire, 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 victoire même. Mais diable, pas pour faire du bonheur victoire. Bon Dieu, ça, le Saint-Esprit, ça, et dans la paix qui vous avertit nous, pas là-bas, après ces paroles là-dedans, etc., etc. Ça arrive bien. Pas-tu comme ça longtemps? Le Saint-Esprit en nous. Ça veut dire, un débat de merveille, quand tout le monde vient baptiser en Christ, c'est bon Dieu qui habite dans nous. Le dernier verset, non? Acte des Apôtres, chapitre 19, c'est un man qui vient baptiser et je ne pas t'y connaître, je ne pas t'y dans le Saint-Esprit. Acte chapitre 19, verset 1er, pendant qu'Apollos est en Corinthe, Paul, après avoir parcouru les autres provinces de l'Asie, arrivant à Éphèse, ils ont rencontré quelques disciples, pour les autres comme ça, avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Ils lui répondirent, nous n'avons pas même entendu dire qu'il y avait un Saint-Esprit. Ben, n'a pas-tu même connaissé un Saint-Esprit? Il dit, de quel baptême avez-vous donc été baptisé? Et ils répondirent du baptême de Jean. Alors Paul dit, Jean a baptisé du baptême de repentance, correct ça, disant au peuple de croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire en Jésus. Sur ces paroles, ils furent baptisés au nom du Seigneur Jésus. Et là, Paul baptise au nom du Seigneur Jésus, veut dire Paul baptise en Jésus-Christ qui mort. Nous la croix qu'il crucifiait, qu'il ressuscitait. Lorsque Paul leur eut imposé les mains, le Saint-Esprit vint sur eux et ils parlaient en langue et prophétisaient. Ils étaient en tout environ 12. Et maintenant tu pourrais vivre sans Saint-Esprit. Parce que moi, tu même connais qu'il a le Saint-Esprit. Je connais des jours en jour, le salatier qui nous peut vivre là, dans le monde christianiste, du monde pétier le Saint-Esprit, moi dire autant. C'est comme si papa pisait le Saint-Esprit. N'existe pas dans un petit à prière, il n'y a pas pour être fini les cieux. Non. Si tu es le Saint-Esprit dans le christianisme, comment dire, tu es modéré d'un Mercedes. Pas grave, non, rien. Si ça en France, il y en a, parce qu'il y a pour lui. Le Saint-Esprit, bien-aimé, c'est lui-même qui conduit nous dans toute la vérité. C'est lui-même qui révèle nous toutes choses. C'est lui-même qui nous permet d'accomplir dans nous toute la volonté de Dieu. Amen. Le Saint-Esprit, c'est Dieu même en nous, on veut dire. Et quand un timon, il baptisé, il répentit et il baptisé de tout cœur, le Saint-Esprit, bon Dieu, de nous. Pas besoin de la guerre pour gagner ça. Pas besoin de mettre ça à dire que vous êtes consacré pour gagner le Saint-Esprit. Non, pas besoin de tout ça.
Li font corti on veut dire dans package là ça. Quand on repenti, ton croix en Jésus-Christ, ton baptisé, le Seigneur donne-toi le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit habite dans toi. Mais plus tu passes les temps avec bon Dieu, plus tu passes les temps avec bon Dieu, par le Saint-Esprit, arrive à un moment donné, te trouve-toi rempli du Saint-Esprit, te trouve-toi baptisé du Saint-Esprit, mais te trouve-toi débordé, en vrai dire, avec la puissance du Saint-Esprit. Je voulais essayer de vous dire ce là, de jour en jour, ben du monde, ben chrétien, n'est plus vivre ça. Parce que les chrétiens, ils disent ça, c'est terre, il y a l'église, ils finissent à l'église, ils réattendent dimanche fini pour les réattendre à l'église. En si ils vont venir, vous avez des dimanches passés, vous allez aller, vous allez nous avoir aller. Ils reviennent après des dimanches, trois dimanches. C'est-à-dire, ils mettent la communion avec mon Dieu. Ils disent, vous allez dire, un coup les temps, vous allez dire, vous pouvez dire, allez. Si nous passons les temps avec mon Dieu, bien aimé. Nous remplis du Saint-Esprit. Nous baptisés du Saint-Esprit. Ça veut dire, plus nous la vie remplie du Saint-Esprit, c'est l'air là qui nous vit efficace comme un chrétien. Il ressemble, comme je disais, si il y a un couteau, mais qui n'est pas figé. Vous coupez, j'aime ça, bien le côté. Après, vous avez un petit côté qui coupe, alors, parce que tellement il n'est pas figé. Mais quand il ne pas rempli du Saint-Esprit, mais il y a un couteau pas pas fidé pour moi. D'ailleurs, vous pouvez me dire, ou ça c'est un démon à rester, ou prier maladie à rester, ou prier, vous demandez, vous ne pouvez pas gagner. Non, il y a du père, mais dans le Saint-Esprit. Quand le Saint-Esprit là, l'Esprit de Dieu, il guide nous, il conduit nous dans toute la vérité. Amen, il est prié long ça, qui prend seule parole nous dire, parle, démon là. Parce qu'il guide nous. Il dirige nous. Et cette parole nous dit, et nous trouvons maladie là, nous trouvons problème là, nous trouvons bénédiction là, venir en abondance. À cause de ça, nous pouvons dire que le Saint-Esprit est indispensable. Nous pas capable d'appeler un monde chrétien qui met dans le Saint-Esprit. Non. Désolé, frère, on ne peut pas faire ça. On va dire une offense pour nous dire. Un monde avec chrétien, un chrétien, il peut être dans le Saint-Esprit. Non, il peut être chrétien. Non. Chrétien, pisez la Saint-Esprit. Amen. Et qui fait l'idée de Saint-Esprit, c'est parce qu'il répandit, il croit en Jésus-Christ, il baptisé, pour Dieu de lui le Saint-Esprit. Amen. C'est pas une organisation qui nous dit ça. C'est pas une église, c'est pas une dénomination qui nous dit ça. Pour Dieu, il nous dit ça parce qu'il son papier en règle avec bon Dieu. Bon Dieu, il nous dit le Saint-Esprit. Ça, c'est un chrétien. Tout chrétien, vous dites bien, tout, c'est qu'appelle chrétien, supposé, et le Saint-Esprit dans nous, pour qu'il nous capable glorifier pour Dieu. Laisse-nous bénir le Seigneur. Donne-toi toute la gloire, Seigneur Tout-Puissant, pour bénir ton grand.